Everybody, it's DarkZork DZ for my channel, bro. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler 69 vs Eminem, bien évidemment. Je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, Eminem a toujours explosé le nombre de vues en très peu de temps sur YouTube grâce à son titre White Hot Me. Mais du coup, ces dernières semaines, suite à la sortie de prison de 69, qui a bien préparé son coup, avec son nouveau single, Gooba, il a juste explosé le nombre de vues sur YouTube en simplement quelques minutes, suite à pas mal de choses qui s'est passé bien avant, comme quoi il a été balancé tous les membres de son gang au FBI suite à son arrestation pour être libéré. Du coup, il a fait un gros bad buzz sur ça. C'est ce qui a fait que pas mal de gens ont sauté sur l'album dès qu'il est sorti pour voir vraiment si 69 va rester dans le milieu du rap ou va tout simplement couler suite à tout ce qu'il s'est passé. Et moi, je veux savoir comment Eminem réagira-t-il face à ça. Va-t-il nous surprendre avec un album qui déchire sa race, ou va-t-il rester comme ça sans nouvelles? C'est la question que je me pose en ce moment, tout en sachant aussi que l'album de 69 qui est sorti récemment, c'est-à-dire Gooba, a été supprimé de YouTube suite au fait que 69 a refusé de payer l'instru du clip alors qu'il est blindé de thunes. Du coup, le mec qui fait l'instru a décidé de porter plainte contre lui. C'est ce qui a déclenché le fait que son clip a été supprimé de YouTube. Et c'est que suite à cette plainte déposée contre lui qu'il a payé l'instru et a remis son clip sur YouTube. Et malgré cet incident, ça ne l'a pas empêché de battre le record mondial de nombre de vues en très peu de temps sur YouTube. Du coup, la question qui se pose, qu'est-ce qui va se passer pour 69 avec toute la haine qu'il a envers lui pour ce qu'il a fait? Parce que tous les autres rappeurs le détestent suite au fait qu'il a balancé son gang. Tout le monde le traite de balance. Plus personne ne veut de lui dans le milieu du rap. Tous les rappeurs ne veulent plus faire de clip avec lui. Mais la question, c'est que est-ce qu'il en a vraiment besoin avec tout le buzz qu'il a? Franchement, je pense pas. Et surtout, dites-moi dans les commentaires lequel de ces deux rappeurs préférez-vous, lequel vraiment mérite d'être au sommet, Eminem ou 69. Franchement, moi, je préfère Eminem de loin. 69, c'est pas mon style de musique, je sais pas, il a quelque chose que j'aime pas chez lui. Mais franchement, laissez un petit commentaire pour me dire c'est qui le boss dans le rap game. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de 69, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Frère Gastor qui va vous résumer l'intégralité de son histoire. Sur ce, les amis, peace and love. Smoke weed every day.